José Marquez, je suis responsable après-vente chez Neubauer pour les marques Fiat Alfa, Lancia et Abarth. Je vais vous parler un petit peu du programme The One by Neubauer. Le programme The One by Neubauer, c'est une Abarth que l'on prend d'origine, sans kit, sur laquelle on pose un kit SS qui la porte à 160 chevaux, puis un échappement Rocker Monza, 5 chevaux supplémentaires, donc on arrive à 165. Ensuite vient se greffer là-dessus des baquets Sabelt. Et après, il y a toute une possibilité de coloris différents, qui sont au nombre de 6, dont 2 nacrés. Un 458 jaune de la Ferrari Italia et un rouge 8C de l'Alfa Romeo 8C Competition. D'accord. Et au niveau extérieur, quelles sont les modifications Alors, apportées? Il y a tout un tas d'options possibles au niveau coloris. Donc l'extérieur, les bas de caisse, le béquet, les jantes sont peintes en noir brillant. Les étriers, il y a 3 choix de coloris, soit rouge, soit blanc, soit jaune. Les poignées de porte et tous les chromes, on a possibilité de les dépolir et de les peindre en noir. Ainsi que tous les montants de porte, toutes les matières plastiques dehors en fait, peuvent être peintes en noir. Le diffuseur d'air à l'arrière, les grilles à l'avant. Voilà quoi, je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, à l'intérieur, il y a la planche de bord qui peut être peinte à la couleur de la carrosserie aussi. Ainsi que la console de clim, console centrale, les baquets, le dos des baquets qui est blanc à l'origine, que l'on peut peindre à la couleur de la carrosserie. Et ça fait pas mal de modifications par rapport au véhicule d'origine. Quoi. Ces modifications sont-elles apportées d'usine ou directement depuis chez vous? Non, c'est directement depuis chez nous. Directement depuis chez nous. Et c'est à la demande. C'est un programme en fait avec plusieurs étapes. Le client il prend quand il signe une The One, en fait, il a possibilité de choisir toutes ces étapes. Il peut tout prendre ou n'en prendre que certaines d'entre elles. Quoi. Est-ce que vous avez des projets pour la Punto Evo qui arrive bientôt, enfin jour en France? Pas pour le moment. Non. On attend de la voir arriver, déjà de voir à quoi elle ressemble. On l'a vu sur des photos, mais bon, ce qui manquait à la Grande Punto à Barthes avant, c'est un peu le look agressif qu'a la 500. Et avec la Punto Evo, je pense qu'on va un peu pallier à ça. Puisque sur les photos, elle a des lignes un peu étirées avec des entrées d'air. Je pense que c'est un beau petit produit qui arrive. Donc on va attendre de l'avoir arriver en concession.